Si vous voulez avoir des gemmes sur Clash Royale et sur le nouveau jeu Brawl Stars assez facilement et gratuitement, je vous conseille d'aller voir en description sous la vidéo où vous avez un lien pour les gemmes gratuitement et vous aurez donc une vidéo pour vous expliquer comment avoir des gemmes gratuitement et facilement. Donc voilà, c'est parti, on commence la vidéo. Go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne League 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau jeu de Supercell, Brawl Stars. Donc là, on va se retrouver pour faire quelques petites games assez sympathiques et pour vous montrer un petit peu le jeu, comment il est, etc. Pour vous montrer comment il est joué, pour comprendre un petit peu mieux le jeu. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà une vidéo pour savoir comment débuter sur le jeu. Et puis on terminera avec un petit pack opening. Vous allez comprendre pourquoi. Un petit pack opening qui va être assez intéressant. Donc là j'ai deux coffres à vous ouvrir. Donc ça va être quand même pas mal. Alors déjà pour commencer. Donc déjà vous allez arriver ici plutôt. Peut-être là. Je sais pas. Mais en gros vous allez arriver ici. Là vous avez quoi? En fait là on a différents modes de jeu. Qui vont changer en fait. Là vous voyez que dans 5 heures ce mode de jeu il change. Et on aura des pièces à récolter. Plus on a de pièces, plus on pourra ouvrir de coffres. Donc là vous voyez les Brawl Box. En gros ben, c'est des coffres comme sur Clash Royale en quelque sorte. Donc plus vous avez de pièces, plus vous pouvez en ouvrir. C'est 100 pièces le coffre. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de pièces. Et sinon c'est 10 gemmes si on veut gemmer. Voilà. Ensuite, donc là je suis à 120 de trophées, c'est pas ouf, hein, pour mon niveau 7 c'est pas ouf. Donc là vous avez toutes les cartes, il y en a 15 pour l'instant, j'en ai débloqué un tiers, donc 5 sur 15. Là donc comme je l'ai dit, différents modes de jeu, donc là dans 11h30 ce mode de jeu il change, dans 24h quasiment il change ce mode de jeu. D'ailleurs il vient de changer à l'instant je crois, faudra que je teste. Donc voilà, là vous avez le clan d'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans le clan, hein. C'est Luc du 4 YouTube. N'hésitez surtout pas à venir si vous avez installé le jeu. Donc on a également le niveau, donc là j'ai 122 trophées, donc là c'est mon profil en gros. 22 victoires, record 122, on a toutes les cartes. Le niveau des... aussi on a le niveau des cartes. Donc là, niveau des cartes, celle-là niveau 5, Nita. En gros elle a un ours avec elle, qui est pas mal. Donc en gros vous avez des attaques, et puis à force de toucher l'adversaire, vous avez une sorte de super pouvoir que vous pouvez lancer. Donc là par exemple c'est son ours, qui est quand même puissant. Là par exemple si on peut poser ça, une sorte de... ouais de... ben, en gros on pose ça sur terre et ça envoie des missiles. Là elle envoie un... en gros si vous voulez elle envoie des boules de... pas de feu mais elle envoie des boules assez puissantes. Et son super pouvoir c'est d'envoyer ben, une plus grosse boule qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc ouais pour chaque personnage vous avez ça. Et donc là on a quoi? Là on a... ouais là c'est pareil. C'est pareil que les... que Shelly. Le personnage s'appelle Shelly. Colt et Poco c'est le même truc. C'est leur super pouvoir c'est comme ce qu'ils attaquent normalement. D'ailleurs attendez, on peut l'augmenter ça? Non on peut pas. Donc voilà. Donc là bien évidemment si on veut accélérer le jeu on gemme. Là on peut booster, ah tiens on peut booster ouais. Les coins doublés x2 pour 50 gemmes c'est quand même cher hein, parce que 50 gemmes ça fait quand même 7$, c'est énorme. En euros ben, ça fait ouais ça fait pareil en euros hein. Nous on va se retrouver pareil hein, on va se retrouver à ouais 110 gemmes, ça va être peut-être 12€. Et 50 gemmes, peut-être ça va être 6€. Ou 5,10€, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment très très cher. Là, vous voyez 1250 gemmes, c'est 140$, c'est assez incroyable. Mais après, souvent, le début, c'est assez cher. Me semble-t-il que sur Clash Royale aussi, c'était assez cher le début. Mais en tout cas, voilà. Donc là, comme vous voyez, si vous avez compris, vous voyez que j'ai deux coffres à ouvrir. Donc on va les ouvrir en vidéo. Et donc voilà, un petit peu, j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour, donc évidemment... on a un petit classement de clans, si je le trouve. Classement de clans, il est, ouais, il est ici. Donc là, vous avez tous les clans. Et là, vous avez le local FR. Alors, on peut pas voir parce qu'en fait, le jeu est pas sorti en France. Mais par contre, on peut voir. Donc c'est au niveau des trophées, c'est où? Je sais plus où... attendez, on va trouver. Ouais, c'est là. Là, total des trophées, vous avez... donc voilà, le maximum, le niveau, pardon, l'instant, le niveau maximum, c'est le niveau 16, a priori. Mais en gros là c'est ben, Nord America, en gros le Canada. Et là le local FR, vous avez tous ceux qui sont FR. Il y a quand même des gens niveau 15, c'est ouf hein. Moi je suis que niveau 7 là. Mais attendez, j'y pense, mais le jeu il va sortir en France, tout le monde sera déjà niveau 50 alors que vous allez commencer niveau 2 ou 3. Donc je vous conseille de voir ma vidéo que j'ai faite hein, pour avoir le jeu. Comme ça vous pourrez jouer si vous êtes sur iOS. Par contre ceux qui sont sur Android, eh ben, tant pis pour vous, c'est dommage. Donc avec ces coffres on peut avoir quoi?
juste avant d'ouvrir, enfin là je vais attaquer puis après ouvrir les coffres. Donc avec les coffres on peut avoir quoi? Soit des personnages, des nouveaux personnages, soit on pourra augmenter, donc par exemple là pour augmenter les points de vie, ça va coûter une luciole rose que vous voyez là. Et donc les lucioles roses on peut les avoir dans les coffres, on en a une seule dans les coffres. Donc là pareil pour augmenter. Et donc par contre le truc bleu je sais pas trop à quoi ça sert. Parce qu'en fait, pour acheter peut-être les nouveaux. Mais après je sais pas comment on fait pour en gagner, parce qu'en fait on peut acheter des gemmes. Mais avec les gemmes je sais pas si on peut en acheter, en tout cas j'ai pas trouvé pour l'instant, il n'y a pas de shop a priori. Il n'y a pas de shop, donc je sais pas comment on fait pour en acheter ce genre de truc bleu. Je sais pas. Donc là on va faire juste un petit truc. On va faire c'est lequel? C'est celui-là je crois. Voilà c'est celui-là. Solo, en gros on est. En gros on doit survivre en fait si vous voulez. Donc là je vais dire le personnage, je vais prendre celui-là. En gros si vous voulez on est 6 dans la game je crois. Non, on est 10 dans la game. Ben celui qui meurt en dernier, ben il a gagné. Enfin celui qui reste en vie en dernier il a gagné. C'est un petit peu le but du jeu. Donc là je commence. Donc là je parle pas trop, je vais pas trop parler. Parce que c'est assez chaud quand même. En plus il y a un mec là. Donc là évidemment. Donc là vous voyez en haut à gauche, on est encore 10. Brawler left 10, mais là s'il y en a qui meurent, ben ça descend à 9, 8, 7, etc. Donc là c'est vraiment un seul mode de jeu parmi tant d'autres, il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Là c'est vraiment un petit mode de jeu où il faut survivre, mais sinon souvent c'est des 3 vs 3 qui sont vraiment sympathiques. Donc là ces boîtes là ça sert à quoi? Ça sert à avoir plus de... avoir un, si vous voulez une luciole bleue qui permet d'avoir plus de dégâts. Hop là, donc là on va... Donc là on est 9 pour l'instant. Il y en a un qui est mort. Je vois personne pour l'instant, j'en ai vu un au début, mais là, ok, il y en a un autre qui est mort. Et donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, ce qui est vert là, en fait, c'est le... Ce qui est vert, c'est en fait le fait que la game se resserre de plus en plus. Là, il y en a un à droite, je crois que je l'ai pas vu, mais en fait, je l'ai vu. Là, on est 6, il y en a 2 qui sont morts. C'est chaud là. Donc là, il y en a un bas. Donc là on est 6 pour l'instant. Personne ouais. Faut que j'aille chercher, mais bon j'ai qu'une luciole moi. J'ai qu'une luciole, eux ils en ont 3 ou 4 c'est sûr. Regardez un petit peu. Lui on regardait un petit peu combien il y en a. S'il passe devant, il va pas passer devant. Alors, il y en a aucune. Ah si, il y en a 2. Il y en a 2. Allez viens ici, viens ici. Ouais bien. Il y en a ici. Ouais lui il y en a 8. Regardez un petit peu, il y en a 8. Moi j'en ai qu'une. Ouais je vais finir, je vais prendre. Ouais. C'est fini, c'est fini. Ouf, il y en a, en plus il y en a un qui était caché. Donc là j'ai fini, il en était 4. On était 4 donc c'est pas mal. C'est pas mal. Le but c'est d'être le dernier quoi. Donc là le personnage il passe niveau 4, c'est cool. Je gagne un petit peu d'XP, c'est cool également. Et un petit peu d'or, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà. Mais après il y a plein de modes de jeu, je pense que là vous avez dû voir la game, vous allez dire mais c'est quoi ce truc là, vous avez pas dû comprendre grand chose. Mais vraiment c'est vraiment pas mal du tout. Là c'est parce que je vous parle en même temps et tout. Mais sinon c'est vraiment pas mal du tout, il y a plusieurs modes. Donc là c'est du 3v3 et là également du 3v3. Mais après il y a plusieurs modes de jeu donc c'est vraiment super en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc là on va sauver le coffre, les deux coffres là que je vous ai dit. Donc j'espère deux personnages parce qu'en fait les petites lucioles bleues pour l'instant ça m'intéresse pas trop parce qu'en fait ça fait augmenter le personnage. Mais bon si on n'a pas tous les persos ça sera pas grand chose je trouve. Donc là c'est parti, on va commencer, j'espère. C'est parti, on ouvre. Ah j'ai reçu, ah tiens. J'ai reçu ça, tiens. Truc que j'ai pas compris là. Le duplicate, j'ai reçu un truc bleu. Il m'en faut 3 pour débloquer un personnage. Enfin, en tout cas, les 3 premiers. N'empêche, il vaut 600. Ah, il vaut cher. Donc là, deuxième coffre. J'espère un personnage. C'est parti, c'est parti. Non. Donc là, ah, par contre, ça, j'ai l'élixir x5. Je vous avais dit x1. Là, c'est x5. Donc là, j'ai envie d'augmenter plutôt celui-là. J'augmente. Attendez, on va augmenter peut-être celui-là plutôt. On va augmenter l'attaque. Est-ce qu'on n'augmenterait pas niveau 3? Et là on va augmenter niveau. Ouais nickel. Point de vie. On va le booster à fond. Bah c'est plutôt cool hein. Ouais c'est quand même pas mal en fait. 5 lucioles c'est quand même pas mal. Donc là je l'ai bien boosté. Et j'espère qu'il va être assez puissant. Donc là vous voyez ce perso niveau 4. Vous voyez Nita niveau 5, Colt niveau 3, Shelly niveau 2, Jesse niveau 3. Donc voilà. Donc voilà pour les deux petits coffres, c'est vraiment un petit pack opening.
J'essaierai de vous... Là, je vais mettre un petit peu d'argent dans le jeu. J'essaie de vous faire un petit pack opening avec pas mal de gemmes. Donc là, normalement, si j'ai bien calculé, je devrais arriver, je pense... Normalement, je vais avoir 9$. Parce que ça coûte vraiment très très cher, il y a des frais. Je crois que je vais avoir 9$. Donc en gros, ça me fera... ça me fera 70 gemmes. Ouais, dommage, j'aurais pu avoir 110 gemmes. Mais ça me fera 70 gemmes, donc du coup, ça fera 7 coffres à ouvrir. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à commenter la vidéo. Donc voilà, vraiment une petite présentation du jeu. J'espère vraiment que ça vous a plu, vraiment que vous avez compris quelque chose. Mais le mieux pour comprendre, c'est de jouer. Parce que moi, au début, je regardais des vidéos, j'ai pas trop compris comment ça jouait, etc. Mais une fois qu'on comprend, c'est vraiment ouf et c'est vraiment pas mal du tout. Parce qu'en fait, les modes de jeu changent tout le temps. C'est vraiment incroyable. Et donc, en plus, on a des petits coffres qui sont vraiment sympas. Par contre, les gemmes, ça vaut vraiment très, très, très cher. Vraiment, mais c'est abusé. Donc, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai montré une petite astuce qui sera en description pour savoir comment avoir des gemmes gratuitement sur le jeu. Donc voilà, allez, ciao ciao!